Alors il est là. Bam, 19, qu'est-ce que tu vas faire? Esquive. Bam, 7, ah, esquive. De l'incubation. Coup critique de 14, tu me rates. 24 de... Non. Jamais eu ça si. Rien passé. Nada que dalle. Impossible d'atteindre ça. Ah mais ouais mais il switch oh. Bon toi ça va pas être la même chose. C'est un scarabée de feu j'ai envie de dire. T'es nul. Bah oui. Mais bien sûr hein, j'ai envie de te dire pas de problème. Ah ouais? Ah, tu me mets mes 19 comme ça d'un coup, genre. Genre on échange les rôles. Genre c'est toi qui attaques en premier. Non mais vas-y, fais-toi plaisant. 20... Mais elle m'attaque en premier. Je suis pas d'accord. Même pas d'accord du tout, monsieur l'arbitre. Anti-jeu même. Ça viole les lois. Ça viole pas les lois. Non. Ah putain, un peu... si je suis incubé par contre, j'ai un peu dans la merde. Je les enlosse. Mais non mais. Bah ouais. Mais bah ouais, bien sûr. Non mais. Non mais monsieur l'arbitre là, je. Il se passe des choses. Bah bien, ouais bien sûr. Bon personnage, je suis deux pas de côté et puis il attaque. Tranquille. Tranquillité. Attaque là, bordel de merde. Voilà. Double KO. Bah si c'est comme ça, si tu veux, je fais un truc génial, c'est je me barre. Je me barre, mais totalement. Attaque là. Ok. 21. Oui. Va mourir. Va bien mourir. Exactement ce qui se passe pas. Oui. Ouais. Tout à fait d'accord. T'as rien de passé avec ces conneries. Voilà, merci. Bientôt le level up. Putain. Putain de nom de Dieu. Bon, elle est où la prochaine là? Je l'attends. Elle est où la prochaine arnaque moldave? Putain, tout ça pour ça. Putain, je me sens. C'est ça l'arnaque moldave. C'est honteux. C'est honteux. Honteux. Enfin bon, c'est bientôt le level up. Et ça, c'est bien. Non, pas d'arnaque moldave. Pas d'arnaque moldave. Cool. Putain, il est piégé. Merci, ma compétence. Récupérer et désamorcer. Je ne peux que les désamorcer. Oh, t'as dû me faire un critique, toi. 20 jets de compétences, 20 plus 8. Ok, attention, je vais me prendre la douille. Ah, tant mieux. Ouh, du sang de dragon. Et un objet utile enfin. Ok, bon. Ah bah dans ce cas, je vais porter cette magnifique bague qui me donne un bonus de plus 5. What?
Oh! Ah non, lumineuse. Mais besoin d'un bonus de plus 5. Pour les objets. Donc du coup là. Et ben voilà. Résistance au sort, 12. Je la porte. Je me disais aussi c'était bizarre. Ceci étant fait. Allez, je finis de cette maison. Non, je vais finir dehors. Sortie ici, parfait. Putain, je suis déçu. Déçu, 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 déçu. Bon, il me faut une tenue à la con là. Tenue de sanguine. Putain, il faut que je parle à des gens après. Il y a une maison là. On dirait une bite. Trop lol. Attends. Non, la porte est pas haut. Oui. Effectivement. Il y a plein de personnages que je dois aller voir en fait là. De l'or. Ok, là il y a un tas de gens. Et des caisses. Et là il y a les gens que je dois parler. Je prends. Je prends. On va save et on va aller leur parler. Leur parler, pas leur poutrer la gueule. Sauf. Sauf si il y a besoin. Attends. Tu vas m'aider à avoir mon XP. Oh, vous êtes ses potes, vous allez crever. Vous êtes trop faible. Vous êtes trop faible. Bon, je vais crever, je vais crever, je le sais, hein. Alors autant précipiter la chose grâce à ma save. Il y en a un de vous qui va crever. Gentiment, mais il va crever. Je veux un uniforme, s'il te plaît. Voilà, 20. Voilà, votre pote est mort. À vous. Oh, vous avez un coffre sur votre bateau 2. Vous avez plein. Oh, vous avez plein de coffres. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai bon usage. Level up! Pardon. Excusez-moi. Alors, j'en ai essayé une classe, bah. Roublard. Ah, voilà. Alors, c'est quoi? C'est singe sur intelligence. Je peux pas baisser. C'est l'intelligence. L'intelligence. Ah, putain de merde! Bordel de merde! Putain! Ah. Voilà. Parfait. Je vais enfin parler normalement. Alors, des amorçages de pièces, de pièges. Évident, on va augmenter d'un point. Discrétion à fond. Le savoir aussi, c'est important. Déplacement sur le crochetage. Voilà. Quoi d'autre? Je vais mettre dans désamorcer le piège concentration. Qu'est-ce que c'est? Juste concentration. Ok. Perception auditive. Je vais en mettre un. Ouais, perception auditive. Et peut-être. Peut-être. Un autre en connaissance de sort. Non, ça ne sert à rien. En persuasion. Voilà. Ok. Alors. Intelligence plus 1, je peux parler normalement, pas trop tôt. Plus 9 points de vie, aucun temps de gagner. Donc, excusez-moi, j'ai été béni par les dieux. Putain, j'ai 9. Enfin, je peux parler.
Nous allons bientôt assister aux premières paroles de cet homme. Oui, j'ai une tenue. J'ai une tenue. Va te faire foutre. J'ai deux tenues. Allez. Tac, je vole. Je vole. J'ai une magnifique tenue sanguinaire. Je suis heureux quand même que vous voyez mon level up. Non, attends, j'ai 34 de crochetage, quoi. Une potion. Une broche. Oh. Sait-on jamais. Ça peut être utile. Un putain d'écu. Ultra cher. Ça me plombe. Voilà, c'est déjà mieux. Et une putain d'arbalète lourde. Bon, et ben j'ai de quoi revendre. Voilà, qui est déjà mieux. Allez, hop. Un map. Et je pense avoir bientôt fini avec ce quartier. Je vais quand même aller voir les quelques péquenauds qui restent là. De manière à m'en débarrasser. Les tuer honteusement même. Je vais faire une petite save. Là. Voilà, ici. Hop, la torche. Bien, il ne doit plus y avoir personne maintenant. Si, il reste une boîte, un trésor. Un coffre. Bien, bah voilà, ça se dit. Bah voilà. Je suis blessé, mais ça va le faire. Bien. J'ai fini avec toute la zone. La zone est ok. Bon, maintenant les deux cons là. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, continue à parler. Une porte que j'ai. Ah oui, mais oui. Il y a un personnage normalement là-bas. Quelque part par ici, je crois. Je voulais peut-être, vous l'avez peut-être pas vu à cause de la coupure. Comment il s'appelle déjà? Jocelle. Jocelle. Une porte fermée, bordel de. Ah non. J'ai laissé combien de portes fermées? Mais c'est quoi cette merde? Comment ça, j'ai pas tout exploré? Ah, il y a une armoire. Ok. Ah, encore un citoyen. Ah, voilà, regardez bien. Je fais mon devoir de garde. J'ai simplement besoin de question. Oh là là, il parle français. Putain de nom. J'ai eu le hoquet pour cette expression. Il parle. Il parle, nom de Dieu. Plus jamais il ne sera pris pour un péquenaud. Enfin. Champagne. C'est pas la bonne sortie, c'est par là. Jocelle, 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 machin. Où es-tu, machin? Je t'avais vu où là. Jace même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon, ouais, les mecs, c'est bon. Allez, allons à la taverne miteuse. Et je vais mettre mon superbe corsage. Regardez-moi, je vais être swag.
Je suis super swag! Regarde bien, faites un art. Regarde bien, il est tellement gay, homo sexe. Regarde cet artwork. Faites un artwork. Faites ce que vous voulez. C'est bon. Ah, bonjour, messieurs là. Client de la taverne. Jalek, tiens. Salut, Pato. Oh, poteau. Cul sec! Cul sec! Cul sec! Cul sec! Allez, vas-y, cul sec! Cul sec! Cul sec! Oh bordel! Oh putain! Je suis combien? Ma constitution a pris cher dans ma gueule. Ouais donc. Je voulais le tuer. Non. Magie Virgile, bonjour. Arme. J'ai une. Ouh. Vos armures. Ouh. 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 Oh. Oh. Et montre-moi tes objets. Ces objets normaux. Ah, très bien. Oui, je vois. Je vois ce que vous allez amener. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Ça, c'est de la bière aussi, tiens. Une pièce d'or, cette merde, bah putain. Amener, voyons. Oh, résistance au feu, et elle fait quoi? Mais non, je veux pas de torse. Mais pourquoi je me suis foutu de torse-poil? Je me la suis déséquipée. Je reste là. Allez hop, dégueule. Bien, maintenant, voyons voir ce qu'il a à vendre. Ou alors, j'attends le prochain épisode, je ferai ça en off. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Je suis encore une fois désolé pour le gros problème que j'ai eu avec Camtasia, c'est. Je suis désolé. Si ce n'est que là, on a fait tout le quartier des docks. On a littéralement fini la map. On a fini de vérifier qu'il n'y a plus danger dehors. Sur ce, je vous laisse. Merci encore une fois d'avoir regardé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager, de liker, de mettre votre commentaire si ça vous a plu. De aussi, si vous voulez, me proposer des aides si vous avez déjà fait le jeu. De me partager votre expérience. Sur ce, je vous laisse. Bon jeu et à la prochaine.